en 2013, les médias mainstream rapportaient que nous étions déjà en mesure de produire la pluie et les éclairs. Attendez une minute. Des lasers pour changer la température? Vraiment? À travers les faisceaux laser, nous pouvons projeter des électrons en ce que nous appelons des ions, qui peuvent provoquer la pluie et même des éclairs. Récemment, au Michigan, des citoyens ont rapporté avoir vu d'étranges éclairs, comme un stroboscope. L'événement a été capturé sur un radar climatique qui nous montre une étrange spirale qui a l'air de tout sauf naturelle. Voyez, une théorie du complot juste ici. Bien que l'on puisse produire de la pluie depuis maintenant des décennies, nous avons atteint un tout autre niveau de nos jours. Avec le High Frequency Active Aurora Research Program, connu sous l'acronyme HARP, qui peuvent créer des ouragans. Et nous pouvons maintenant les diriger avec les nouvelles générations de radars transmetteurs climatiques connus sous le nom de NEXRAD. En accumulant une charge électromagnétique croissante et en la dispersant sous la Terre via un courant direct qui génère des signaux de très basse fréquence. D'autres types de radars NEXRAD sont capables de déclencher des tremblements de terre. Et ces tremblements de terre, combinés à des explosifs, peuvent générer des tsunamis. Ce sont là des technologies dont nous connaissons l'existence. Il ne reste plus que les volcans et les tornades.